un petit peu spécial, donc c'est la fameuse vidéo des 3 ans. Donc tout simplement, ça fait 3 ans que j'ai commencé, j'ai ouvert ma chaîne et commencé à faire des vidéos sur YouTube. 3 ans c'est vraiment énorme, ça commence à faire un petit chiffre effectivement. Et pour ça je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale. D'ailleurs je ne sais pas si j'ai assez de batterie, on verra bien. Donc déjà on va commencer par ceci, parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui a fait, c'est pas les débuts de ma chaîne, mais qui a bien commencé, un petit peu de café. Ah, il commence à être froid. Et puis, bon, vous vous doutez bien qu'il fallait faire un gâteau pour un anniversaire, hein, parce que c'est pour moi un anniversaire. Donc j'ai fait, non, c'est pour moi, c'est pour ma chaîne, un anniversaire. Donc j'ai fait, j'ai acheté une tarte aux pommes, je sais pas si on va bien la voir, j'espère. Mais pas seulement, j'ai aussi acheté des bougies, c'est pas plus simple, je pense que vous n'allez rien voir du tout. Mais bon, vous verrez après par vous-même que il faut tout déballer. Donc j'en ai acheté un peu beaucoup, mais bon, elles étaient pas chères, donc j'en ai acheté. Donc voilà, on va mettre. Donc là c'est vrai qu'après, de toute façon je vais vous laisser pour le reste de la vidéo, parce que ce sera une vidéo assez longue mais assez rapide en soi, parce que je vais vous faire une vidéo en gros sur un jeu. Je sais pas si je vous le dévoile encore maintenant ou si j'attends un petit peu. Donc c'est un jeu de voiture qui est sorti en fait en début d'année, mais à l'époque il n'était pas sur Steam, et là il était sur Steam, donc je l'ai pris. Et il est vraiment très très bien, c'est un très très bon jeu. Donc un youtubeur a parlé de ce jeu et a lancé en quelque sorte un défi, c'était de finir le jeu en fait, bah, en quelque sorte. Parce que le jeu en gros c'est un peu comme Farming, c'est infinissable. Mais c'est un jeu qui me plaît mieux que, encore plus que Farming. Donc il y aura certainement des vidéos sur Farming Simulator 2017. Donc le jeu de Farming, pour ceux qui de fermiers, pour ceux qui suivent pas trop. Même si je pense que vous avez tous vu ma chaîne, ma page la plus connue, qui est ma vidéo la plus vue en fait, qui est une vidéo de Farming Simulator. Voilà. Donc voilà, j'ai allumé les bougies et voilà. Je sais que ça se fait pas bien, c'est une tarte aux pommes. Bon, je m'en fous, je voulais un petit gâteau, et puis voilà, j'avais pas envie de me faire trop chier. Donc voilà, on va souffler les bougies pour la chaîne, et puis après on va se retrouver en gameplay pour la suite de la vidéo. Voilà, allez hop, j'ai 3 ans, ça me fait revenir dans le passé. Allez, c'est le paquet. Bon, non, je déconne. Donc je vais quand même goûter un peu cette part de tarte aux pommes devant vous. Comme vous voyez, c'est vrai que j'ai fait pas mal de dépenses, puisque j'ai acheté le jeu déjà. Ça m'arrive pas souvent. Donc voyons si elle est bonne. Je pense qu'on y a un peu de jus. Ah, un peu super, mais c'est à cause de moi. Parce qu'elle est un petit peu gelée, on va dire. Elle commence à geler. Donc les amis, on va se quitter là-dessus. Donc je vous dis à la vôtre, n'hésitez pas à commenter, vous abonner pour ne plus en rater. Et puis après, regardez la suite de la vidéo, c'est vraiment... On va vraiment faire... En plus, ça va être de l'accéléré, donc ça devrait pas durer, ça devrait durer 3 quarts d'heure maximum. Donc voilà, alors j'aurais passé toute une journée. Alors voilà, surtout pour ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À dire, j'en referai pas d'autres des comme ça, hein. J'en referai pas d'autres. C'est une vidéo spéciale, c'est une vidéo des 3 ans. Peut-être que je continuerai ce jeu en pas accéléré, en parlant. Il y a un peu de commentaires dedans, donc surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'était MM Simulator, ciao ciao. Salut les amis, c'est MM Simulator. On se retrouve sur My Summer Car pour la vidéo des 3 ans. Donc, c'est pour moi...
un grand moment. Parce que là, je vais vraiment faire beaucoup de choses. Ça va être une vidéo très longue pour moi, très courte pour. Ben, par rapport à ce que j'ai fait moi, très courte pour vous. Ben, ce que je vais faire, parce que je sais pas encore combien de temps ça va me prendre. Si ça va me prendre de 4 heures, 5 heures, 6 heures, j'en sais rien. Donc j'espère que vous êtes derrière moi à me soutenir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si je serai déjà moi quand j'aurai mis la vidéo, si ça sera passé et tout. Donc voilà. Donc là j'ai mon nouveau micro. C'est un Neewir NX700 si je me trompe pas. Ou NW700. Donc c'est un microphone entre parenthèses professionnel. Je pense que le son il doit être mieux. Mais je dois avoir un problème en fait avec ma carte son, un truc comme ça, parce que vous entendez un petit sifflement et je pense que le fait que je sois en prise jack doit tout foirer en fait, c'est ça le problème. Donc il y a des chances qu'au mois de décembre je m'achète une nouvelle carte son et puis la carte graphique je l'achèterai au mois de janvier. Donc on est parti sur My Summer Car. Donc le but c'est de remonter une vieille carcasse. Et on a commencé. Hop, ce que vous entendez là, c'est ce qui va nous faire tenir la journée. Hop, parce que j'ai pas mal de vidéos à tourner. Ah putain, c'est bon. Une petite monster là pour bien démarrer la journée, c'est super. Donc hop. C'est quoi des. Ah même. Voilà. Donc faut se mettre en QWERTY pour jouer à ce jeu ou sinon reconfigurer les touches. Donc on a un petit téléphone. On va visiter un peu le. Bon bah voilà, hop. J'ai fait les courses. Les courses, ouais, beaucoup de courses. Donc regardez, on a un frigo. Il est plein. Ouais. What the hell, bro? Vous allez voir que les packs de bière vont nous être utiles plus tard. Je sais pas encore quand. D'ailleurs, je vais peut-être le faire en direct parce que je vais pas mal en fait pas parler et puis faire avancer dans le gameplay. Donc on a. C'est la meilleure ici. Il me semblait avoir tout rangé, mais en fait non. Donc on a notre carcasse. Au début, je pensais la mettre là-bas dessus, mais c'est trop la merde. Pourquoi il y a ça ici? Ça fout là, ça. Hop. Voilà. Hop. Donc je vais essayer de faire mon maximum pour que ce soit fait dans la journée en fait où je tourne. Il y aura peut-être des petites coupures, donc hop, on peut conduire un peu. C'est un petit peu long pour rentrer dans les véhicules, mais bon. Quand on y est, on y est. Voilà, hop. Ils ont pas mal amélioré le truc visiblement. Non, c'est pas la première que je veux. Donc comme je vous dis, le jeu est très très poussé quand même. Ah bah il y a un arbre. Donc voilà, hop. Donc je vais soulever la voiture et les packs de bière vont nous servir de chandelles, voilà. Je trouvais pas le nom. Jusqu'à qu'on en vienne à là. Je vais commencer par faire le moteur et puis on verra après pour le châssis, les roues et tout le bordel. Hein? Tac. On voulait pas, j'utilise les macros hein, pour aller un ch'touille plus vite parce que là. Je sais pas si ça va être suffisant, on verra bien. Donc il y a une gestion aussi de la faim, de la soif, etc. etc. Donc tous ces petits trucs là qui font que ce jeu est très très bon. Voilà. Donc des trucs assez cons en soit. Donc ça c'est un autre cric en gros qu'il y a déjà dans qui est censé y avoir dans toutes les voitures à peu près. Donc j'espère que le son est bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Moi personnellement, je le trouve plutôt pas mal. Bon, il y a toujours le sifflement, mais je pense que ça vient de ma carte son. Enfin, de mon. En fait, de mon. Pas de mon, ma carte son, mais de ma carte mère, parce que j'ai pas de carte son réellement. J'ai juste ma carte mère qui fait des siennes encore. Hop, hop, hop. Donc, je vais essayer de voir pour faire mon maximum pour vous procurer un gameplay de qualité. Paf. Attendez, c'est pas logique cette histoire là. Ouais, pas logique du tout. Donc on va essayer de faire. Hop, notre max. Je vais essayer de faire mon maximum. Pour. Voilà, ça c'est fait. Donc le truc qui est un peu chiant sur ce jeu, c'est qu'il faut spammer les touches. Donc voilà, et c'est un peu chiant sur le principe, mais non. Faut faire avec. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de bien placer le cric pour pouvoir lever la voiture tout simplement. Donc en gros là j'utilise le macro de ma souris pour faire comme si je spammais la touche en fait avance la touche de clic gauche de ma souris. On va déjà commencer par les deux qui sont là-haut. Tac. Donc comme vous voyez on a quand même une gestion de la faim, de la soif, de la piste bien sûr parce que c'est ce qui est le plus important. Et et de la saleté aussi et de la fatigue. Hop, voilà pour un. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment une vidéo pour moi assez importante. Je voulais vous faire celle-là, cette partie-là en direct. Donc ce sera une vidéo quand même assez longue hein, sur le principe. Donc n'hésitez pas à faire une petite pause dans la vidéo. Allez vous chercher un petit truc à grignoter et puis après revenir. Ça me dérange pas du tout. Parce que voilà, chacun, on peut faire ce qu'on veut, hein, on est libre. Après, j'espère que vous allez regarder en entier, parce que je me donne quand même beaucoup de mal. Pour faire cette vidéo, hop. À l'ancienne, moi je prends pas de parpaing, je prends juste des packs de bière. Donc voilà, maintenant on peut redescendre le cric. Oui, oui, voilà. J'espère que ça a marché. Ça a l'air visiblement. Putain. J'aurais jamais pensé que ça aurait marché. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. J'aurais jamais pensé que ça aurait marché. J'aime bien. Non mais je trouvais ça drôle en fait de faire. De faire ça comme ça. Donc. Est-ce que ça s'est tombé ou j'en sais rien. Ok, c'est passé à travers la planchée. Ok, ok. Ok, 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 ok. Non, je crois que il y a eu un bug. Hein, je crois. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a eu un petit bug. En fait, le jeu, comme je vous dis, il n'est pas encore fini. Au pire, on se débrouillera au moment prévu, mais je crois que ça a glissé ou. Ah non, c'est dessus. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Je vois pas comment je peux le lever en fait. Ah, mais toi, tu sers rien en fait. Voilà. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Descends, descends. Non, mais non, c'est pour autre chose. Bon.
Bon alors, Ginette, c'est quand tu veux. Donc voilà, on va reprendre lui et puis on va lever de l'autre côté pour pouvoir mettre d'autres packs de pierres. Pour l'instant, ça marche parce que je pense que le seul truc qui est bien modélisé sur ce jeu, c'est les packs de pierres. Non, mais ça marche pas. Mais c'est quoi le bordel là? Là, il y en a un qui a glissé, les deux ont glissé. Bon, bah, on va se démerder après. Hein, on se démerdera après pour ça. Hop. D'ailleurs, il m'en manque, je sais pas, il y avait mon voisin, il est venu boire des coups là. Oh là là. Non, je déconne, je pense que ça doit être moi, j'en sais rien. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Moi, je pense que je vais me taire et puis je vais faire en accéléré pour pouvoir continuer. Donc, on a tout ce qu'il faut. J'ai un peu triché sur le jeu pour pouvoir vous procurer un gameplay rapide et accéléré. Donc, peut-être qu'il y aura des petites coupures, des petites pauses dans le machin histoire que j'aille pisser, etc. etc. Ok. Donc, n'hésitez pas, passez un bon moment et je vous dis à tout à l'heure. Quand je ferai peut-être quelques coupures de temps en temps. Donc merci beaucoup. Au revoir.
Heureux les amis, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là, oui, on a une petite barre rouge, bah c'est la barre de saleté. Ça va, c'est chaud. Donc on va prendre une petite douche, vite fait, bien fait. Hop. Non, c'est pas une douche qu'on va prendre, on va prendre un petit seau là. Donc, ah, c'est bien fait ça. Vous voyez, quand l'eau coule, ça nous donne envie de pisser. Ça c'est bien fait, même si franchement c'est plutôt bien fait. Voilà, hop, on va poser ça là. Non, dans l'autre sens. Donc n'hésitez pas à me dire par exemple si vous voulez une suite avec l'homologation du véhicule. Merde, comme ça. Et après, bah putain, ça c'est chaud hein, ça c'est... Ah oui merde, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais. Ah. Voilà. Donc on se lave un petit peu. Ça doit pas vraiment être du luxe je pense, parce que ça fait un peu de temps que je l'ai pas fait. Tac tac tac. Ah merde, j'ai pas visé au bon endroit. C'est ça à ce point là. Ah. J'ai plus d'eau. Bon bah alors laissons tomber. Voilà. En fait c'était juste pour enlever le bruit. Donc on va... Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? Je sais plus ce que c'est. Donc notre moteur est ici et on se retrouve tout à l'heure encore. Ciao. Thank you.
Vous préciser que j'avais acheté des pièces pour pouvoir les monter sur la voiture. En gros, c'est des pièces de type tuning. Voilà, exactement. Hop, ça comme ça. Pac, pac. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît. Franchement, c'est vrai que pour moi, ça fait très très long, mais pour vous, ça doit pas être si long que ça. Vous devez peut-être vous dire, mais putain, il est bête ou quoi, parce que c'est des trucs que je vois pas forcément. J'essaye d'aller assez vite parce que. Parce que voilà, je connais pas non plus le jeu par cœur, j'ai vu beaucoup de vidéos dessus. Après, c'est juste des connaissances personnelles qui font que. Merde, je me mets en deux. Je suis con. Ok. C'est juste mes connaissances personnelles qui font que j'avance ou pas dans le jeu plutôt bien. Donc voilà, hop. Parce que là, je sais pas trop comment ça se sert, s'il faut vraiment. Avoir le collecteur d'échappement ou pas. Donc voilà, hop. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de pouvoir faire rouler la voiture. Et tout en étant... Il n'y en a pas au milieu là? Ça m'étonne.
Donc voilà, n'hésitez vraiment pas aussi à me dire qu'est-ce que vous pensez de mon nouveau micro, si vous le trouvez plutôt bien ou pas, s'il y a des trucs à améliorer. Je pense que la carte son, je vais peut-être en prendre une nouvelle, parce que la mienne lag beaucoup. Donc voilà. Sinon, après... hop. Voilà. Tac, tac. Ah, voilà. Ça, c'était la bonne. Donc maintenant, en fait, ils ont changé ça parce qu'il me semble qu'avant, on pouvait fixer sur... comment ça s'appelle ? Sur le machin sans forcément mettre le collecteur d'échappement. Donc ils ont corrigé ce bug, on va dire. Tac. Et l'autre qui est là. Tac. Et voilà. Donc le moteur est prêt quasiment à être monté sur le châssis. Quand il sera entièrement monté, je vais m'occuper de la voiture et de tout ce qui va avec. Pour pouvoir, là en gros j'ai presque plus qu'à, voilà, hop. Tac, comme ça je peux tourner tout autour sans vraiment avoir de problème. Donc comme vous avez peut-être pu le remarquer, j'ai pas vissé si ça doit être ça, alors ça doit être les bonnes vis. J'ai pas vissé. Non. C'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bon, c'est vrai que là, ça va être un ch'touille plus long par rapport aux clés et tout ça. J'ai essayé de faire au plus vite. Parce que là, de toute façon, il ne reste plus grand chose à faire sur le truc. Donc, on se retrouve après. Ah, ça fait du bien. On se ressent vivre comme ça. Donc voilà, bon, bah, pisser un peu de partout, c'était pas... Là, c'était prévu sans l'être. Tout à l'heure, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc bon, je mets du liquide de refroidissement. Allez, ah, bah, hop. On va essayer de faire au plus vite. Moi, franchement, j'ai envie d'aller vite. Parce que j'ai envie de tourner d'autres vidéos aussi. Donc, on va essayer de faire le mieux possible. Et le... sympathiquement possible. Donc voilà, tac tac tac. Donc on se retrouve tout à l'heure. Thank you.
Se coucher parce que comme vous voyez on est vachement fatigué, donc je vais me coucher, le soleil se couche aussi, donc on va faire de même et je suis très fatigué, donc allons-y. Allez, finalement bon, ça c'est une blague pourrie. Bon, je vais voir s'il y a des nouveautés parce que c'est... d'ailleurs ça c'est bon. Pourquoi il y a des dés là? Si vous aussi vous allez vous coucher avec la clé molette à la main, n'hésitez pas à taper 1. Mais il y a des promotions. Il y a des promotions. Ah non merde, c'est ce que j'ai déjà acheté. Ok. Il y a rien de plus. Ok. Problème. On va aller to sleep. Go to sleep, ma gueule. Go to sleep. Aïe. Du go to sleep. Ah, sleep to go to bed. Je parle très mal l'anglais. Hein. Ça fait déjà 2 heures de jeu. À peu près. Donc on va se bouffer un petit truc. Allez, une petite saucisse. Tac. Et on va aller boire un coup. Tac. Bon, je sais, la propreté dans cette partie sera pas forcément de mise, mais bon, on verra plus tard. Peut-être si vous me le demandez, je verrai, je ferai peut-être une vidéo pour vous dire comment on peut avoir l'argent comme j'ai fait, illimité, et tout le bazar. Donc là, je suis un peu bloqué parce que j'ai un cache qui veut pas se mettre, celui-là, là. Il veut pas se mettre, je pense que vous l'avez vu dans l'accéléré. Il me fait chier! Voilà, pour pas être vulgaire. Est-ce que c'est juste que je vais trop vite ou parce que là je trouve que je vais pas mal, ça fait 2 heures, le moteur est presque fini, en gros il faut fignoler encore un petit peu,
Mais ça commence à me saouler là. Est-ce qu'il faut faire un réglage au niveau de la. Parce qu'en gros, le jeu a eu beaucoup de mises à jour. Quelques mises à jour depuis. Merde. Je confonds mes touches. Il n'y a aucun réglage. Hein. Est-ce qu'il faut. J'en sais rien de rien. La pompe à okay. La pompe à eau, qu'est-ce qu'elle viendrait foutre là? Je sais pas. Il faut la mettre après la pompe à eau normalement. Bon, on va s'occuper du dessus parce qu'on n'a pas fini encore. Un peu dans le micro. Donc tac tac tac. Je pense pas que ce soit les bons. Donc voilà. Ah, c'est trop bas. Donc surtout, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez de cette petite vidéo des 3 ans. Et puis là, on va se laisser pour l'instant. Donc je vais continuer à accélérer un peu et puis on se retrouvera plus tard. À toute. Re les amis, donc ça fait pas très longtemps, mais je viens de m'apercevoir d'un truc, c'est que j'ai oublié une pièce. J'ai oublié le joint de culasse. Pourquoi moi? Donc je vais essayer de pas trop m'embêter et de trouver le moyen de la remettre assez aisément. Okay. On va essayer de sans défaire le. Je vais voir si ça marche parce que pour l'instant, ce que je voudrais faire, c'est vraiment aller vite parce que là, j'ai besoin d'aller vite. En 2 heures, bon, j'ai réussi à faire pas mal de choses en 2 heures, mais j'aimerais pouvoir aller vraiment très très vite et finir, faire que la voiture roule à la fin de cet épisode. Si je ne le peux pas, bah, on verra après. Tac. Après, c'est peut-être pour ça au final qu'il voulait pas, putain. Pourquoi tu veux plus là? Voilà. Donc on va essayer de démonter une partie seulement et de pas tout démonter. Putain. Ah, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Ah putain, pourquoi j'ai fait une aussi grosse connerie que ça? T'en as m'expliquer. Parce que là en gros c'est vraiment une énorme connerie. Attendez. Je vais voir un truc. Est-ce que je pourrais pas être niqué le jeu en fait? Je sais que je voudrais jouer RP, mais bon. Parce qu'on devrait peut-être pouvoir, non? On peut pas. Attends, je vais niquer un peu le jeu. Eh bien, je vais essayer de niquer le jeu. Hein, je sais que c'est pas très. Je voulais le faire un max RP, mais. Et ils ont pensé à tout, c'est cool. Donc on va essayer de faire un maximum de perdre un minimum de temps et essayer de. Ah là, je sais que c'est pas vraiment le truc fait pour. Parce que là, je suis vraiment en train de perdre du temps. Bon, excusez-moi encore. Je m'en suis aperçu que en cherchant des pièces et puis. C'est pas non plus énormément grave, j'ai encore pas mal de temps. J'aimerais encore faire d'autres vidéos, mais bon. Donc on va continuer. Donc je vais continuer l'accélérer et puis on verra plus tard. Donc à tout à l'heure.
Bon, donc effectivement, on n'aurait pas perdu énormément de temps. Ça me rassure parce que au final, je préférais ne pas trop en perdre. Et effectivement, on n'a pas perdu de temps au final, donc ça me va. Donc, on va revisser tout le bordel, remettre les câbles d'allumage avec la bobine. Et puis après on va continuer. Et je pense que après on sera peut-être pas mal au final. Donc voilà. Thank you.
pause au niveau du moteur, parce que là ça commence à me saouler surtout. En gros, il reste plus que des petites bricoles à faire, donc mettre ce putain de cache là, mettre la pompe à eau et mettre la courroie, et après normalement le moteur est prêt pour être inséré sur la voiture. Donc après il manque lui, il est tout bordel, mais ça sera à la fin, juste avant de faire tourner la voiture. Mais là le moteur en soi est prêt. Voilà. Donc on va passer à la partie châssis maintenant. Qui aurait pas compris, en fait j'ai perdu ma caisse à outils, c'est pour ça, sous la voiture, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Cela, si c'est vraiment le cas que j'ai perdu ma caisse à outils, je vais l'avoir dans le voyou, hein, parce que je ne vais rien pouvoir faire sans caisse à outils. Donc on va essayer de faire pour avancer quand même. Hop. Donc on a moyen aussi, ça j'aime bien dans le jeu, tac, de mettre une corde et de tirer le véhicule. Hop. J'ai dit tomorrow. C'est où que ça se tire? Ah. Hop. Donc là comme vous voyez je déplace le tracteur. Là, c'est de l'autre côté que j'étais. Donc comme vous voyez, je vais bientôt avoir très très soif. Donc on va voir s'il y a eu du nouveau. Allez, descends. Putain, c'est moi si j'aime pas trop le truc là-dedans. Ah. Oh.
Mais il y a tout contre moi aujourd'hui, putain de bordel de merde. C'est pas possible. Bon. J'espère que c'est juste une sale blague parce que... Parce que ça commence à me vénère. Non, ça sert à rien. Je suis pas dedans. Ben, je suis pas dessus en fait. Je suis dedans la voiture. Pas grand chose. Ça sert à rien non plus. Parce que le problème, c'est que si on n'a plus de caisse à outils, on n'a plus de quoi travailler, en quelque sorte. Donc, voilà. Mais le problème, il est là. Et sans caisse à outils, ça va être un peu difficile. Donc, voilà. Donc on va reprendre ça, j'ai dû reprendre ça, j'ai dit reprendre ça, voilà, merci. Donc là le jeu actuellement est en état de développement, donc ce qui fait que je comprends qu'il débug, mais bon, voilà. Déjà... assez compliqué. Donc j'espère, j'ai vraiment envie quand même que ça marche parce que j'ai pas envie de faire une vidéo fail, on va dire, pour les 3 ans quoi. Donc on va aller vite fait voir parce que j'ai pas envie de mourir, même si j'ai mis pour que le jeu, en gros, parce qu'il y a différents modes de jeu, il y a un mode où on va mourir. En fait, quand on meurt, en fait, la partie est finie. On est en game over. Et il y a aussi une façon de faire où quand on est mort, quoi. Mais après, on n'a pas forcément, on va pas forcément tout recommencer du début, en gros. On revient au dernier point de sauvegarde. Tac, tac, tac. Tu m'emmerdes. Oh, oh, je te demande un truc, je te prends. Oh, oui, c'est pas vulgaire. Hein. Ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Oh, oh. Oh. Le pire, c'est qu'il a marqué un truc, mais il ne me fait rien. Oh. Ah ouais, c'est ça en fait, je pouvais pas le choper parce que... Ok. Tac, 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 tac. Bon. Bon bah je vais essayer un truc, donc certainement qu'il va y avoir une coupure, ça me saoule un peu, mais... Je
Je voulais pas faire de coupure ni quoi que ce soit d'autre dans ce genre-là, mais je vais être obligé au moins d'essayer de sauver ce let's play. Cet épisode spécial 3 ans. Mais ça me saoule, sérieusement, j'en ai vraiment ras le cul. Le jeu est bien, mais là, il y a trop de bugs pour moi. Et le pire, c'est qu'il n'y a aucun moyen de les corriger. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais essayer de redémarrer le jeu et puis on se retrouvera tout à l'heure. Attends. Ah, j'ai cru qu'il était revenu là, mais non. Ok. Et je sais pas si c'est possible de revoir les outils, etc., etc. Bon, on va essayer de faire à l'aveugle, vite fait, voir si on a quelque chose. Non, rien du tout. Le truc qui est chiant, c'est que sans outils, on a que dalle, donc... Voilà. Vous savez tout. Bon, je vais pas m'entêter trop longtemps. Ok, j'ai ouvert l'autre porte, c'est cool. Donc je vais redémarrer le jeu et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao. Re les amis, donc nous revoilà sur My Summer Car. Donc, comment vous dire ça? Bah c'est la fin de la vidéo en fait. Malheureusement, je ne peux pas terminer la voiture. Malheureusement. Car je n'ai plus de caisse à outils. Donc je ne peux plus avancer. C'est vraiment dommage. Donc comme vous voyez, j'ai les deux packs de bière de tout à l'heure. On va aller au bord de la mer. Et on va se vider ces deux packs. Parce que ça me casse les couilles. Moi je voulais vraiment finir cette fucking voiture. Mais je ne peux plus, j'ai plus d'outils. Et je ne sais pas comment les ravoir. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis on verra peut-être pour faire un autre épisode. Donc on va... Voilà, je vais finir là-dessus. C'est vrai que ce sera une longue vidéo pour rien. Parce que sincèrement, moi ça me fout les morts, quoi. D'avoir passé 2 heures sur le jeu pour à la fin ne rien pouvoir avoir, ne pas pouvoir finir le jeu. Ben le jeu est infinissable. Mais sur le principe, j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose. Mais je ne peux rien faire parce que tout simplement le jeu m'a trollé. Et en gros, c'est le plus gros fail que j'ai jamais eu. Tout ça parce que on va essayer de monter là-dessus. Voilà. L'autre côté, non, alors recule un petit peu, s'il te plaît. Hop. Donc j'espère que mon nouveau micro va bien, parce que franchement, je l'ai pas payé très cher pour un micro comme ça, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, tac. Et on va aller se vider les deux packs sur les quais, parce que là, moi, j'en ai ras les cacahuètes. De pas pouvoir faire ce que j'en ai envie et de... Ça me saoule. Franchement, je ne sais pas, je ne sais plus quoi faire là avec ce truc là. Donc ça pourrit. Parce que, comment vous dire ça? Quand on fait quelque chose, on se donne à fond. Franchement, j'ai mis 2 heures, j'ai passé 2 heures dessus, j'ai passé du temps. Pour essayer de faire une bonne vidéo et au final qu'est-ce que j'ai? Rien. Voilà, c'est un peu dommage quoi. Donc voilà, après est-ce que vous dire que je suis déçu? Oui, en gros c'est à peu près ça, mais pas non plus des masses. Je suis pas tellement déçu, mais voilà. Un petit peu quand même. Allez, bim. Donc ça me casse un peu les pieds, c'est vrai, mais bon, faut faire avec. Et faut essayer de relativiser un petit peu et de partir de l'avant. Donc, si vous savez comment on peut ravoir sa caisse à outils, peut-être que je finirai cette mission. Ça me fait chier de pas pouvoir la finir aujourd'hui, vraiment très chier. Franchement, je vous dis clairement, j'ai vraiment envie de la finir aujourd'hui, mais le jeu est tellement peu connu.
en fait, et je comprends. Le jeu déjà est en alpha, donc pas fini. Et je comprends qu'il y ait des bugs, je comprends qu'il y ait beaucoup de choses. Mais là, ça, voilà, je sais pas, je peux pas finir mon lettre de ma vidéo. Et ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier de pas pouvoir finir ma vidéo. Et voilà. En gros, surtout si vous savez comment on peut avoir sa caisse à outils, parce que je sais que j'ai triché un peu pour avoir toutes les pièces pour faire du tuning, etc. etc. Mais faut savoir que ça prend du temps en fait, le cheat sur ce jeu. Pour cheater, ça se fait pas en 30 secondes. C'est le truc qui est un petit peu dommage. Donc les amis, je voulais prendre un screenshot, ça a pas marché, donc c'est pas grave. On va se vider ces deux packs de bière pour bien se saouler la gueule et finir cette vidéo qui m'a pour moi vachement déçu. C'est dommage, tant pis, je vais devoir faire avec. Donc franchement, j'espère que le son a été bon. Parce qu'en gros, je suis pas tout à fait sur ma carte son, je suis sur mon clavier en fait, mon micro est branché sur mon clavier. Je sais, ça paraît un peu bizarre quand je vous dis ça comme ça, mais en gros, mon clavier a deux prises jack. Une prise jack pour le micro, une prise jack pour le casque. Et en gros, j'ai branché mon micro dessus. Voilà. Et normalement, le son est un petit peu meilleur quand je branche sur le jack que quand je branche sur... l'autre, donc normalement ça devrait aller. Donc on va se vider tout le pack et puis on va pas se faire chier. Hop, voilà. Donc ce sera une grosse, c'est pour moi la plus grosse vidéo fail que j'ai jamais faite au final, parce que c'est le cas. Hein. C'est une grosse vidéo fail, vraiment très fail, parce que vraiment je me suis vraiment, ça m'a vraiment fait chier quoi. Donc voilà, c'est tout. Donc là, vous voyez, je suis fatigué. J'ai en plus, je suis sale. Mais bon, ça, c'est pas très grave au final. Hein. Donc voilà, hein, on va pas se faire chier. On va se saouler la gueule. Et puis après, on va se quitter. Tac, allez hop, on pisse dans le radeau. Allez hop, on en boit une autre. Donc voilà, j'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Donc là, on va se vider tout le pack. Tout nouveau, de toute façon, vous voyez pas ça. Parce que là, j'ai mon écran, ça fait un bout de temps qu'il est allumé. Et donc, il devrait bientôt s'éteindre. J'espère quand même que. Normalement, le son il doit être quand même un peu meilleur qu'avant, je pense. Déjà, regardez, on a déjà la tête qui tourne alors qu'on a bu deux bières. Donc prends bien. Ben c'est lui qui boit, c'est moi qui suis sous. Là, c'est good. Mais voilà, en gros le but c'était vraiment de remonter cette voiture entre les pièces qui voulaient pas se mettre plus les comment on appelle ça. En gros beaucoup, il y a vraiment beaucoup de choses. La bière ça donne ça enlève la faim aussi. Ok. Moi je savais pas ça. Donc je sais pas si on va pouvoir boire les deux packs de bière ou mourir avant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi c'était vraiment un très gros fail. Mais sincèrement, j'ai franchement apprécié l'affaire pour les raisons qui sont que c'était la vidéo spéciale des 3 ans. Et pour rien que pour ça, c'était déjà une grande vidéo juste pour ça. Et vraiment j'espère que vous avez apprécié cette vidéo malgré le fait qu'elle a été vraiment à mon avis nulle, parce qu'on peut pas faire plus nul que ça au final, parce que là en gros tout ce qui s'est passé c'est que j'ai perdu ma caisse à outils et la partie doit s'arrêter ici parce que j'ai plus de caisse à outils. C'est comme si Picasso devait continuer à peindre sans pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Ça revient au même. Ça revient à peu près à ça. Donc,
Ce bateau d'ailleurs, on peut le prendre, on peut conduire avec, on peut faire beaucoup de choses d'après ce que j'ai vu. Parce que j'ai jamais essayé de le prendre. Donc, je pense que même on va même pas pouvoir en finir une. On va tomber dans les vapes avant, je pense. Donc, on continue à pisser dans le machin. Hop, allez, en avant. Donc, sincèrement, je suis vraiment navré de pas pouvoir finir la vidéo comme elle était prévue. Ça me saoule un peu. Mais, en même temps, ça va me permettre de pouvoir faire d'autres vidéos en même temps. Parce que j'ai une autre vidéo de prévue, en gros. Et je vais pouvoir vous la faire parce que celui-là a fini plus tôt que prévu au final. Ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas la finir comme je voulais la finir, en fait. Avec... avec... On enchaîne. Donc voilà, je voulais la finir vraiment mieux que ce que j'ai pu finir. Et voilà, en gros, on a fini un pack, c'est génial. C'est la fête du slip. Donc voilà, j'aurais vraiment voulu pouvoir finir cette vidéo. Donc on va essayer de mourir pour voir si on peut... si par hasard, quand on meurt, la comment ça s'appelle ? La caisse à outils revient, on sait jamais, hein. Parce que le jeu, il est pas forcément mal foutu, mais un peu quand même, en fait, il y a vraiment beaucoup de bugs sur ce jeu, et c'est dommage, parce qu'il est vraiment très bien, franchement. Je sais pas, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos sur Car Mechanic Simulator, Car Mechanic Simulator, par rapport à ce jeu-là, c'est du pipi de chat. Hein. Car Mechanic, hein, pas ce jeu-là. Donc franchement, sur le principe, car mécanique est bon parce que en gros tu joues un métier, mais ce jeu là, ce jeu là est vraiment énorme parce qu'au final, en gros, par contre je pense que je vais bientôt mourir, je vois tout bizarre. Donc ce jeu là est vraiment assez spécial dans son ensemble, il représente quand même bien le truc, mais... Après, je sais pas si c'est vraiment bien ou pas, mais bon, tant mieux. Tant mieux ou tant pis, j'en sais rien. Mais on va essayer de faire... Hop. Ça me saoule un peu quand même de devoir... Hop. Donc, au pire, sinon, j'essaierai vraiment sans cheater, juste de faire avec... Mais non, parce que le truc, c'est que si je cheat pas, je pourrais pas manger. Ben, faudra que je travaille, on va dire. Donc là, l'écran est visiblement trop dégueulasse. Ah, bah, mon écran s'est éteint. Ok, pas de problème. Hop. Allez, hop. Machin. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que tout est voilé, sauf notre main et la bouteille qu'on a dans la main, quand même. Beer case. Une chose est sûre, c'est qu'on n'a pas envie de boire. Donc là, les deux caisses sont presque vides. Il en reste encore 4 à la maison, mais bon. Allez, hop. Là, alors, moi, je suis pas loin de la maison, mais je suis pas à l'endroit où je... En gros, je suis tombé dans un coma idyllique. Et d'après ce que j'ai compris, en gros, j'ai tellement bu de bière que je suis tombé dans un coma idyllique. Et puis, je me retrouve en fait pas très loin de la maison, mais pas là où j'étais quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Franchement, sincèrement, j'ai pas réussi à vider les deux packs de bière. C'était vraiment sur le principe, parce que vraiment j'avais pas forcément envie de les... Ah non ? Ah, CSP en fait c'était parce que j'étais fatigué ? Ou parce que j'étais bourré ? Non, c'est pas... Je pense que c'était parce que j'étais bourré, et en même temps que j'étais bourré, en fait, ça m'a fait dormir, et donc je me suis couché dehors.
Mais au final, se saouler la gueule, c'est une bonne façon de dormir, non? Par contre, l'orage qui fait trembler le sol, c'est pas le meilleur, le meilleur truc là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, je sais pas trop ce qui s'est passé, si c'est la fatigue ou le... Non, pas visiblement... Ouais, sincèrement, si vous savez comment je pourrais... Il y a un tremblement de terre là, c'est pas un orage, c'est juste un tremblement de terre, c'est tout. Putain, je suis... Ou c'est les restes des deux packs là, qui font que j'ai l'impression que ça tremble de partout. Bon, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, cette fois-ci, c'est la fin parce que je peux pas faire autrement. Malheureusement, je n'ai plus de caisse à outils, donc je peux plus travailler sur la voiture, je ne peux plus installer les pièces qu'il faudrait que j'installe, et en gros, je suis dans la merde. Voilà. Donc si vous voulez voir une suite à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire si vous en voulez plus. Non, vous voyez, ça veut pas m'être, ça me saoule ce truc. Donc on verra, si ça se peut, faut peut-être que je recommence tout du début et puis après ça ira mieux. J'en sais rien du tout, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Empty Bottle, donc elle est vide. Toi t'as aussi une Empty Bottle. Donc, vous voyez, j'avais mis des trucs dedans, c'était des trucs de base. Bon. Je suis vraiment déçu là, sur cette fin de vidéo. Je regarde quand même un peu de partout. Oh, la bière. Oh. J'en ai tant que ça? J'ai dû dévaliser le magasin, non? Gasoline. Ouais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que c'est marqué gasoline dans le machin, mais pourtant il y a de l'essence. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc voilà, c'est un peu dommage. Donc moi je vais vous laisser là. Donc j'étais vraiment très très content de faire ce let's play. Bon. Bah je vais rentrer, hein. Je vais pas rester sous la pluie. Donc j'étais vraiment très très content de faire ce let's play avec vous, de cette vidéo. Mais là je ne peux pas continuer, hélas. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire si le son était bon, si la vidéo était bonne et s'il y a moyen de récupérer. Vous voyez comme la. Ah c'est bon. Ouais, il y a de la télé. Comment récupérer la caisse à outils et j'essaierai de faire la suite. Malheureusement, je voulais la faire en une vidéo, mais c'est pas possible visiblement parce que sinon j'aurais pu le faire. Wow, ça a l'air très intéressant la télé là-dedans. Donc voilà, donc on se quitte sur ces images de télé parce que je ne peux pas faire autrement. J'aurais voulu qu'elles soient plus longues. Il est déjà midi. Bah putain. Mais en gros je ne peux pas faire autrement. Donc moi je vous dis à la prochaine. C'était MM Simulator. Ciao.